Bonjour, alors pour cette vidéo, j'ai décidé de faire du crochet et de vous montrer comment on fait la maille serrée. Alors bien entendu, il me faut mon petit crochet, voilà, que j'ai choisi, enfin mon fil, voilà, donc mon crochet que je choisis en fonction de mon fil. Alors ça, c'est un fil Bergère de France. Il n'y a pas d'indication sur le papier parce que en général, l'indication est sur l'emballage, puisque ça, c'est un fil qui se vend en général par lot de 10 pelotes, comme font beaucoup Bergère de France, Fil d'Art et d'autres marques relativement connues. Je prends donc mon fil, je fais une boucle, voilà, de sorte à faire ma chaînette qui est la base de tout travail au crochet. J'insère mon crochet à l'intérieur de la boucle que je règle un petit peu. Je place mon fil de sorte à ce qu'il soit un petit peu tendu, mais pas trop. Je fais ce que l'on appelle un jeté, c'est-à-dire qu'avec mon fil, je tourne autour de mon crochet en passant de l'arrière à l'avant. Avec mon crochet, je tire cette seconde boucle que je montre ici, qui se trouve sur mon crochet. Je le tire à travers de la première boucle. Me voici avec la deuxième maille de mon crochet. Et je répète ce mouvement jusqu'à ce que j'aie le nombre de mailles dont j'ai besoin pour ma chaînette. Voilà, ici j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mailles chaînettes. Je vais en faire encore 2, 3. Voilà. Nous sommes prêts à commencer la maille serrée. Pour ceci, vous prenez la troisième maille en partant du crochet, ce qui veut dire que vous comptez celle qui est dans le crochet. C'est toujours ce qui vous sera demandé dans tout manuel. Donc, une maille, deux mailles, trois mailles. Avec mon crochet, je vais piquer à l'intérieur de cette maille, en prenant uniquement le brin qui est en haut. Je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Avec mon fil, que je tiens toujours de la main gauche, je fais un jeté. Voilà, c'est-à-dire que j'entoure mon crochet avec mon fil en allant de l'arrière à l'avant du crochet. Je tire ce fil au travers de la première boucle. De cette façon, j'ai toujours deux boucles sur le crochet. Je fais un autre jeté et cette fois-ci, mon fil que je viens de poser, je le tire au travers des deux boucles qui me restaient sur le crochet, de sorte à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule boucle. Et je fais la même chose à l'intérieur de toutes les mailles chaînettes qui me restent. Je vais donc chercher la maille chaînette suivante, qui est celle-ci. Voilà, là je viens de travailler à l'intérieur de celle-ci. Je vais travailler à l'intérieur de la suivante. Je pique mon crochet, je fais un jeté, je le tire au travers de ma première boucle, j'en ai toujours deux. Je fais un autre jeté, que cette fois-ci je tire au travers des deux boucles, et ainsi de suite. Il faut savoir que la maille serrée est très utilisée soit pour des finitions, c'est-à-dire faire des bordures,
soit pour faire un travail opaque. C'est-à-dire où on ne verra pas à travers. Donc toujours, hein, je pique la maille suivante, je fais un jeté, je tire ce jeté au travers de la première boucle, je fais un autre jeté que je tire cette fois-ci au travers des deux boucles. On est d'accord, c'est toujours le même mouvement. Je suis arrivée à la dernière maille de ma chaînette. Voilà. Je tourne mon travail comme ceci. Voilà. Je réinstalle mon fil, hein, tout simplement. Et là, je vais faire ce que l'on appelle une maille en l'air. Ce sont des mailles en bord de travail qui vont tout simplement nous permettre d'avoir la dimension qui équivaut à soit une maille serrée si vous faites des mailles serrées, soit des brides si vous faites des brides, et ainsi de suite. Donc je fais ma maille en l'air qui consiste tout simplement à faire le même geste que quand on fait une maille chaînette. C'est-à-dire je fais un jeté que je tire au travers de la boucle qui me reste sur mon crochet. Et voici, tout simplement. Plus la bride ou demi-bride que vous faites est grande, c'est-à-dire demi-bride, bride, double bride, triple bride ou au-dessus, plus il vous faudra de mailles en l'air. Donc là, pour la maille serrée, il n'y en faut qu'une. Donc le crochet, vous n'allez pas le piquer à l'intérieur de la dernière maille que vous avez faite, mais la suivante. Donc ici, alors j'enlève mon crochet pour bien vous montrer. Ça va pas être celle-là, ça va être celle-là. Vous piquez uniquement, donc vous voyez, si on relève un peu le travail, ça fait à chaque fois deux petits brins. Deux brins ici, deux brins là, et on continue de cette façon. Donc quand vous avez votre crochet à l'intérieur de la maille en l'air que vous venez de faire, vous piquez votre crochet, donc pas dans la première maille, mais dans la deuxième, en prenant les deux petits brins que vous voyez sur le dessus. Voilà, comme ça. Je recommence. Vous piquez à l'intérieur de la maille de dessous, du serré, la maille serrée. Il faut qu'il y ait deux brins sur la petite boucle. Vous faites votre jeté normalement et vous tirez au travers de cette maille. Donc vous avez quand même deux boucles. En fait, vous tirez au travers des deux petits brins que vous aviez sur le crochet. Voilà. Donc vous faites votre jeté normalement. Voilà. Et vous tirez au travers de vos deux boucles. Et la même chose pour les suivantes. Votre jeté, vous piquez au travers des deux petits brins, comme ceci, vous faites votre jeté que vous ramenez au travers. Alors là, attendez, j'ai fait un jeté en trop. Quand c'est comme ça, vous retirez complètement le crochet des boucles que vous avez fait. Voilà. Donc là, on recommence avec une seule boucle. Nous disions donc, le crochet, je le pique à l'intérieur des deux petites brides, enfin des deux petits brins que vous voyez ici. Ici, je fais mon jeté. Je tire au travers de la première boucle, soit les deux petits brins. Je refais un jeté que je tire au travers des deux boucles qui restent. Je recommence.
je pique au travers de la maille serrée d'avant, je fais mon jeté que je tire au travers de la maille serrée, soit les deux petits bras, de sorte à avoir deux boucles sur mon crochet. Je fais mon jeté, je tire au travers des deux boucles. Donc on va continuer un petit peu comme ceci. Voilà, donc j'ai continué quelques rangs. Alors pour vous montrer quand même comment ça se passe quand on arrive en fin de rang. Donc là, vous voyez, il me reste deux mailles. Alors j'enlève mon crochet. On voit la première ici et la deuxième ici. Donc je continue de piquer mon crochet à l'intérieur de la maille suivante, toujours en prenant deux bras, je fais mon jeté que je tire au travers de ces deux bras, je refais un jeté, hop, que je tire au travers des deux boucles. Il me reste plus qu'une maille. Alors c'est vrai que parfois on a un petit peu du mal à la distinguer, donc là vous avez quand même pourtant bien les deux petits bras. Voilà, donc c'est ici qu'il faut piquer. Vous faites vos jetés, vous tirez votre boucle, votre second jeté, et voilà. Comme ça, ça fait un travail bien droit. Et voici des mailles serrées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci, au revoir.